Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, Dieu de la grâce et de la miséricorde, Père Céleste, en ce jour de fête, nous nous retrouvons tous ensemble dans ce beau cercle avec toutes les communautés reliées ici sur terre et avec l'au-delà. Et nous aimerions vivre cette communion et louer ton nom, te remercier pour ton amour, pour cette œuvre de l'amour, pour cette œuvre de salut. Nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils, d'avoir donné le Saint-Esprit pour nous sauver. Nous te remercions de ta patience et de ta fidélité, pour ta grâce et ta sollicitude. Nous te remercions d'avoir préparé chacun de nous. Tu veux que nous puissions être tous ensemble auprès de toi dans ton royaume. Nous te remercions de cette connaissance que tu nous donnes au travers de ton Esprit Saint. Nous savons que tu nous aimes et que tu as tout préparé et que tu prépares tout pour notre salut. Nous te remercions pour notre vie quotidienne, pour tous les conseils que tu nous donnes et de toutes les réponses que tu nous donnes. Nous te remercions de cette communion que nous pouvons vivre au sein des frères et sœurs. Nous te remercions également de pouvoir venir vers toi pour exprimer nos vœux par nos prières, mais également nos besoins. Nous aimerions prier également tous ceux qui ont porté des charges particulières. Nous te prions et recommandons aussi ceux qui souffrent. Père Céleste, nous n'arrivons pas à exprimer tout ce qui nous travaille. Cela serait trop long. Mais permet que chacun puisse savoir qu'il n'est pas oublié et que tous ceux qui sont dans la souffrance puissent faire l'expérience de ton amour, de ta proximité, de ton aide. Prends soin de toute l'humanité, peu importe où ils sont, ceux qui sont dans la souffrance, donne-leur ton aide. Tu connais également tous nos besoins et accorde-nous ta grâce, ta paix, ta joie. Fais que notre foi puisse être renforcée et que nous puissions vivre la force de ton Saint-Esprit. Nous te prions aussi pour toutes les âmes qui sont dans l'au-delà, qu'elles puissent nous rejoindre dans ce service divin. Écoute-nous au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, pour cette fête de la Pentecôte, nous avons une parole biblique qui se trouve dans la deuxième épître de Paul au Timothée, le chapitre 1, le verset 7. Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Asseyez-vous.
Mes chers frères et sœurs, c'est vraiment une grande joie de pouvoir célébrer ce service divin et cette sainte fête de Pentecôte dans ce cercle grand, grandiose et magnifique. Et je pense à tous ceux qui sont connectés. Et nous sommes reconnaissants à notre Père Céleste qu'il a rendu possible de célébrer Pentecôte dans un cercle aussi grand. Aujourd'hui, il s'agit de l'effusion du Saint-Esprit et ce que nous appelons la naissance de l'Église de Christ. Je pense qu'il est bon et utile d'écouter une fois de plus l'histoire de Pentecôte telle qu'elle est relatée par la Bible lorsque Paul parle de ce grand événement. Et j'invite notre sœur de lire de l'Acte des Apôtres. Lecture biblique de la Pentecôte en Acte 2, les versets 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'entendement, dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Merci beaucoup.
Thank you. Merci. Nous avons écouté l'histoire biblique concernant la Pentecôte, concernant les faits, et il est important pour nous de comprendre la signification et le but de cette histoire. Tout commence avec l'amour de Dieu. C'est le début de toute chose. Le Dieu Tout-Puissant aime les humains. Et par son amour, il veut rendre accessible aux humains la communauté avec Dieu, le Père, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit. C'est le but de l'amour de Dieu. Il souhaite que les hommes puissent connaître la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans ce but, il a envoyé Dieu, le Fils, afin d'ouvrir les portiques du salut pour permettre l'accès au salut par la communauté avec Dieu. Et Jésus-Christ a ouvert ses portes par son sacrifice. Et lorsque Jésus-Christ est retourné au ciel, Dieu l'Esprit a été envoyé sur terre pour continuer ce travail de salut. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre sur la terre afin de rendre le salut accessible. Et Dieu, le Saint-Esprit, œuvre pour sanctifier les hommes et pour les préparer pour le retour de Jésus-Christ, car Jésus-Christ va revenir pour prendre à lui les siens afin qu'ils soient en communion éternelle avec Dieu. Ceci est accompli par l'Esprit Saint aujourd'hui. Et cette œuvre est accomplie dans l'Église. Voilà où le Saint-Esprit accomplit sa mission. Par l'apostolat, dans l'Église, le Saint-Esprit nous sanctifie et nous prépare afin que nous puissions entrer dans la communauté avec Dieu. Le premier homme qui a été dans la communion avec Dieu était Jésus-Christ. Il s'agissait du premier homme qui a été autorisé et à qui on a permis d'entrer dans la communion éternelle avec Dieu. Et il s'ensuit que si nous souhaitons entrer dans la communauté éternelle avec Dieu, nous devons devenir comme Jésus-Christ. Afin d'être avec Christ en éternité, nous devons devenir comme Christ, ce qui signifie penser comme il le fait, œuvrer comme il le fait, et devenir tel qu'il est. Voici le chemin que nous devons suivre si nous voulons être en éternité avec Christ, si nous voulons lui ressembler, si nous voulons penser comme lui, œuvrer comme lui, être comme lui. Et qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est celui qui aime, mais aussi celui qui sert. Il a été envoyé sur terre pour servir. Pour servir Dieu et pour servir son prochain, c'est-à-dire d'ouvrir les portiques vers le salut. Jésus-Christ est retourné à son Père et du ciel, il continue à servir. Il nous aide, il nous sert, mais afin de devenir comme Jésus-Christ, penser, œuvrer, être comme lui, nous devons être les aimants et les serviteurs. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à servir. Pas parce que Dieu a besoin de notre aide. Le Dieu Tout-Puissant a réussi à créer le ciel et la terre en partant de rien. Vous imaginez bien qu'il n'a pas besoin de moi pour accomplir son œuvre. Il peut le faire sans moi. Il ne s'agit pas, Dieu a besoin des hommes pour l'aider. Dieu n'a besoin de personne. Mais moi, j'ai besoin de servir. Afin de devenir comme Jésus-Christ.
parce que c'est le seul chemin pour moi pour entrer dans la communion éternelle avec Dieu. Je veux devenir comme Christ, donc je veux devenir le serviteur. Et que signifie servir? Ce qu'a fait Jésus-Christ, c'est-à-dire aider, cela va nous aider à être sauvés, contribuer à l'œuvre de salut, être sûr que le salut reste accessible pour tous les humains. Et dans ce but, nous devons proclamer l'Évangile, nous devons annoncer Jésus-Christ pour que les humains aient la possibilité d'entrer le royaume de Dieu. Et nous devons être sûrs que le salut reste accessible dans l'Église. Nous devons être sûrs que l'Évangile est proclamé, que les sacrements peuvent être dispensés, qu'on peut vivre la communion de Dieu au sein de l'Église. Et c'est pourquoi nous devons servir. Si nous voulons être un jour avec Christ, nous devons devenir comme lui et servir comme Christ a servi. Et bien sûr, j'entends beaucoup de voix qui disaient « Les temps sont si difficiles, les gens ne sont plus intéressés par Dieu, ils ne sont pas intéressés par la foi, ils peuvent faire sans tout cela. » Et être un témoin de Jésus-Christ, c'est presque impossible aujourd'hui. Il n'y a pas de possibilité, c'est trop compliqué. Et l'Église n'a pas d'avenir. Je dis, c'est bien beau, mais moi, je ne peux pas faire ça. Je suis trop faible et trop petit. Je suis tellement occupé par moi-même. J'ai tellement de problèmes. Je n'ai pas de force et pas de possibilité de servir et de contribuer au fonctionnement de l'Église. Je n'ai pas la possibilité de contribuer au salut des autres. Et la parole biblique d'aujourd'hui aide. Ne crains pas. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Par le don du Saint-Esprit pour nous tous, nous avons eu la puissance ou la force de servir Dieu et d'accomplir notre mission. La traduction est différente dans les différentes langues. La version anglaise parle, en anglais, il est dit un esprit de crainte, d'autres versions disent de timidité, d'autres disent de crainte. Mais ça veut dire la même chose, pas un esprit de crainte, pas pas être sur le retrait. Ça veut dire, en clair, ne pas être effrayé. Ne crains rien. Ne perds pas ton courage. C'est celui qui, dès que les choses sont difficiles, il abandonne. Il perd son courage. Ne t'évade pas de ta mission. Vis dans le nom du Saint-Esprit. Crois à ton saint baptême. Crois-le. Dieu t'a donné la force de devenir comme Jésus-Christ dans le sens que tu peux servir comme Jésus-Christ a servi et que tu peux aimer comme Jésus-Christ a aimé. Tu as la force de le faire par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est un esprit de force, de puissance. Il est décrit comme la puissance de Dieu, les actions, les engagements de Dieu. Et Dieu exprime par là sa toute-puissance, son pouvoir. Rappelez-vous, l'Église n'est pas une œuvre humaine. L'Église est l'œuvre du Saint-Esprit. S'il s'agissait d'une œuvre humaine, elle n'existerait plus. Parce que nous connaissons les hommes et ce qu'ils sont capables de faire, et plus particulièrement ce qu'ils ne peuvent pas faire. L'Église n'existerait plus si elle avait été une œuvre humaine.
Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit et il manifeste la puissance de Dieu. Et rien ne peut empêcher le Saint-Esprit d'accomplir sa mission. Et l'Église surmontera ceci. Personne ne peut empêcher le Saint-Esprit d'accomplir sa mission au sein de l'Église. Et nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Comme Jésus-Christ en tant qu'homme a reçu le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit était avec lui. Et il est dit que le Saint-Esprit a permis à Jésus de surmonter le mal et de ressusciter des morts. Et Paul dit, si cet esprit reste en toi, en ton cœur, tout réussira à faire ce qui paraît être impossible aux hommes, parce que c'est le même pouvoir qui a permis à Jésus-Christ de surmonter le mal et de ressusciter des morts. Par cet esprit, tu peux le faire, ce que Jésus souhaite que tu fasses. Cela ne dépend pas de sa capacité, cela dépend de ta volonté. Si tu crois, tu peux le faire. Et ne crains rien. Le travail accompli dans l'esprit ne sera jamais en vain. Est-ce que je peux le répéter? Le travail accompli par le Saint-Esprit ne sera jamais fait en vain. Ne crains rien. C'est un esprit de force qui réside en toi. C'est aussi un esprit d'amour. Je sais, quand nous parlons d'amour, souvent les choses sont mal interprétées, puisqu'on s'en parle mari et femme, parents et enfants. Il ne s'agit pas exactement de ceci. L'amour de Dieu représente bien plus qu'une émotion ou un sentiment. L'amour de Dieu est un engagement très fort. Depuis le début, Dieu aime les hommes et il fait tout afin de sauver les hommes pour les conduire dans la communion avec lui. L'amour de Dieu est un engagement fort. L'amour de Dieu est un autosacrifice, un sacrifice d'énergie. Il s'agit de bien plus que ressentir ou avoir des émotions. Et Paul dit, cet amour a été déversé dans notre cœur lorsque nous avons reçu le sacrement du Saint-Scellé. J'aime cette expression, a été déversé. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur. Il ne s'agit pas de quelques gouttes qui seraient tombées. Non. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur afin de remplir tout notre être, toute notre âme. Dieu nous a donné le maximum de ce que nous pouvons recevoir. Voilà ce que signifie cette phrase. L'amour de Dieu a été déversé par le Saint-Esprit dans ton cœur, ce qui signifie que lorsque tu as reçu le don du Saint-Esprit, Dieu t'a donné le maximum d'amour qu'un homme peut recevoir. Voilà la signification. Dieu ne peut pas faire plus pour toi. Tu as reçu le maximum d'amour par le don du Saint-Esprit. Et une fois que nous sommes conscients de ceci, croyez-le, alors notre réponse est relativement simple. Nous sommes reconnaissants envers Dieu et nous l'aimons. Parce qu'il est aimable à notre égard. Il est si grand que nous ne pouvons pas ne pas répondre à son amour. Et ainsi, toute chose que nous le faisons pour le Seigneur, pour Dieu, par gratitude. Et ceci nous rend fort. Nous servons pas parce que nous y sommes obligés, mais nous servons par amour, par gratitude. Et effectivement, nous ne dépendons plus
de ce que disent les gens. Nous ne dépendons pas de l'ingratitude, des considérations des uns et des autres, du succès de notre œuvre. Nous ne dépendons plus de la gloire que nous récoltons, mais notre service est motivé par la gratitude, quoi qu'il se passe, quoi que les personnes fassent ou pensent, ou qu'ils nous critiquent ou pas. Ceci n'importe plus. Ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur, par amour et par gratitude. Et ceci nous rend fort et nous donne la possibilité de servir quoi qu'il advienne. Et nous servons et nous aimons comme Jésus souhaite que nous aimions et que nous servions, afin que ceci devienne notre vœu, notre volonté de participer au salut des autres. Nous souhaitons que d'autres reçoivent la même grâce, le même don, et puissent entrer en communion avec Dieu comme nous pouvons le faire. Et dans ce but, nous servons le Seigneur dans l'Église afin d'être sûrs que le salut reste accessible pour chaque croyant qui souhaite se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas notre tâche de forcer les gens de venir, mais c'est notre tâche que si quelqu'un décide de s'approcher de Jésus, il peut écouter l'Évangile, qu'il peut recevoir le pardon des péchés, qu'il peut bénéficier des sacrements, qu'il peut vivre un service divin, qu'il peut vivre la communion des enfants de Dieu. Et frères et sœurs, voici notre motivation pour servir au sein de l'Église. Chacun à sa place. Nous servons le Seigneur afin de le remercier, d'exprimer notre amour et notre gratitude parce que nous aimons notre prochain et notre tâche consiste à être sûr que quoi qu'il advienne, le salut reste accessible au sein de l'Église à tous ceux qui le souhaitent et qu'ils puissent écouter l'Évangile, recevoir les sacrements, le pardon des péchés, vivre la présence de Dieu au milieu des siens. L'esprit d'amour. Et après ceci, il a dit la troisième attitude de l'esprit, c'est un esprit d'un bon esprit de sagesse, dit une autre traduction, un esprit de contrôle de soi. Mais le sens est très voisin. Se contrôler soi-même, avoir un esprit saint. L'esprit saint est un esprit saint. Ne vous faites pas de soucis, vous êtes juste un outil. Le travail est fait par Dieu. Tu es juste un serviteur. Il utilise un serviteur et ça ne dépend pas de toi. Mais tu sers Dieu pour toi puisque tu veux ressembler à Jésus. Ne pense pas à te cacher. Et si nous écoutons le Saint-Esprit, alors nous avons un esprit saint. Et nous ne pensons pas trop de bien de nous-mêmes. L'apôtre patriarche, l'apôtre de district, le frère et la sœur, l'enfant, le jeune garçon, tout le monde, un esprit saint. Il ne s'agit pas de moi. C'est Dieu qui fait. Je suis juste un serviteur. Je sais, nous avons prêché ça pendant des années. Et parfois, je me demande, est-ce que je l'ai vraiment compris? Est-ce que je l'applique vraiment? Nous sommes juste des outils. Un esprit d'autocontrôle. Que signifie ceci? C'est facile à expliquer. L'esprit nous dit, n'oublie pas, fais envers ton prochain ce que tu veux que les autres fassent à ton égard.
Réfléchis-y. Si cette pensée réside dans notre cœur, nous permettons au Saint-Esprit de nous interpeller. N'oublie pas. Fais à l'égard de ton prochain ce que tu souhaiterais que ton prochain fasse à ton égard. Ça, c'est un contrôle personnel suffisant. L'esprit d'autocontrôle. Et l'esprit de sagesse, le Saint-Esprit nous permet de discerner les différents esprits. Il en était de même avec Jésus lorsqu'il a été tenté. Et le diable voulait le tenter. Et il est venu et il... Le diable a eu sa propre interprétation des Écritures et il s'est approché de Jésus et lui a dit, il l'a tenté, mais avec l'aide du Saint-Esprit, Jésus a pu dire, ce n'est pas la volonté de mon Père. Et on a vu la motivation du diable. Ta motivation n'est pas pure. Il en est de même pour nous. Nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en notre cœur et nous enseigne pendant le prêche du service divin. Utilisons ce discernement pour distinguer les esprits. Comme le disent les Écritures, si quelque chose est issu du Saint-Esprit, alors, cette action produit de l'amour, de la paix et de la joie, de l'amabilité et de la maîtrise de soi. C'est la définition de Paul. Ainsi, chaque fois que quelque chose se passe, que quelque chose est dit, que quelque chose est publié, s'il vous plaît, vérifiez si c'est issu du Saint-Esprit et donne de la paix, de l'amour, de l'amabilité et de la maîtrise de soi. Et avec cet outil, il est assez facile de discerner les esprits. L'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit d'un esprit saint, de sagesse et de maîtrise de soi. Chers frères et sœurs, permettez-moi de le résumer. Notre but et d'entrer dans la communion éternelle avec Jésus-Christ, afin d'être en mesure d'entrer dans cette communion, nous devons être comme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est celui qui aime et celui qui sert. Parce que nous avons reçu le don du Saint-Esprit qui nous a rendu capables de servir le Seigneur et de servir Saint de l'Église, avec le pouvoir d'aimer et le pouvoir de la sagesse. Dieu souhaite que nous devenions comme Jésus et avec son aide, nous pouvons devenir comme lui. C'est juste une question de volonté. Amen. Il y a beaucoup d'apôtres de district et d'adjoints et il y a même quelques nouveaux visages dans ce cercle. Et peut-être c'est l'opportunité de faire la connaissance de l'un ou l'autre et nous avons un nouvel adjoint, John Schnabel aux USA. Personne ne le connaît encore, mais et c'est facile pour moi. Tout le monde va faire sa connaissance maintenant et je le prie de nous servir. Et nous chantons ensemble le cantique numéro 9 au pied de Jésus.
Bien chers frères et sœurs, c'est un plaisir de pouvoir être ensemble avec vous et de recevoir cette parole. Je pense que j'ai des devoirs à faire de prouver que l'amour de Dieu qui puisse sortir de mon cœur, tout ce qui a été déversé dans mon cœur. L'apôtre patriarche a dit que cet amour de Dieu a été déversé dans mon cœur. Nous avons cette connaissance en tant qu'enfants de Dieu. Et maintenant, avec sa parole, avec ses sacrements, nous pouvons le ressentir d'une manière absolument particulière. Maintenant, les parents, lorsqu'il a son enfant par la main, il le prend et il le tient par la main, l'enfant se sent sûr. Et cette sécurité, cette certitude que nous avons reçue, que nous puissions être comme Jésus-Christ, que Jésus nous a dit, j'aimerais vous équiper de la même chose. Vous avez cette force de le faire. Comme le Seigneur, au dernier moment, a dit à ses disciples, je pense qu'il a pensé, certainement qu'il a réfléchi, quel est le dernier message que je vais leur donner à mes disciples. Et il leur a lavé les pieds. Il s'est courbé devant eux et il leur a lavé les pieds. C'était ce message qu'il leur a donné, qu'ils puissent s'aimer les uns les autres. Il a dit, ce n'est pas un amour humain qui est parfois confondu avec une attraction, mais il a lavé les pieds de ses disciples. Frères et sœurs, vous savez, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, pour moi, c'est quelque chose qui me répugne un petit peu. Et lui, il a lavé les pieds. Certainement que c'est une image pour montrer à ses disciples ce que signifie vraiment servir. Je pense qu'il avait une image qu'il a dit, « J'ai cette image en moi que j'aimerais... » Une image complète. Et il a dit, en fait, voilà, maintenant vous vous lavez les pieds les uns les autres. Vous avez ce même vœu. Vous aimeriez que votre frère, votre sœur soit avec vous après Dieu. Donc nous devons avoir ce même sentiment. Est-ce que nous aimons de cette manière, frères et sœurs? Cela ne peut pas être que nous soyons au centre de tout. Nous devons être ces personnes que nous soyons là pour servir en apportant à boire, à donner à manger. Mais lorsque je vais visiter quelqu'un, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'aimerais que les frères puissent ressentir cela, qu'ils puissent avoir cet esprit de Dieu en eux. Nous avons de nombreuses opportunités de mettre cela en pratique, car cet amour a été déversé dans notre cœur. Et nous avons reçu beaucoup, et nous voulons donner aussi beaucoup. Amen. Voilà, c'était notre nouvel apôtre d'Amérique. Et nous avons un nouvel adjoint, Peter Lambert, d'Afrique du Sud, peut nous servir. Et vous nous avez préparé quelque chose de beau comme d'habitude.
Mes chers frères et sœurs, l'apôtre patriarche a dit, je vais vous présenter. Et en général, on dit, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un plaisir pour moi de vous rencontrer à ce moment même. L'apôtre patriarche a parlé au départ, nous devons devenir comme Jésus. Et cela demande une transformation en nous. Je crois que si nous nous regardons nous-mêmes, je suis le premier à dire, je suis si loin de la nature de Christ. Il y a une transformation qui doit avoir lieu. Et la seule puissance, la force qui peut me donner, c'est la force du Saint-Esprit. Mais la transformation signifie aussi un changement radical. Et lorsqu'il y a des changements, il y a une résistance à changer. Dans le monde du travail, il y a beaucoup de personnes qui résistent à ce changement. Nous avons entendu ce matin, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, un esprit de timidité. Donc, nous ne voulons pas avoir peur de perdre notre sécurité, perdre notre force. Nous ne voulons pas avoir cet esprit de peur, mais nous voulons passer par-dessus. Nous voulons nous transformer et de laisser de côté notre ancienne nature et d'accepter que je dois vaincre ma propre nature. Vous savez, ici en Afrique du Sud, j'ai parfois des difficultés, une certaine peur à parler autour de moi. Parce qu'il peut y avoir des conséquences, tout dépend de ce que j'exprime. Je ne peux pas ressentir la force du malin, mais j'ai une certaine peur, une certaine crainte. Hier, nous avons revu un petit peu notre district et vu ce que nous pourrions faire pour le futur. Et nous avons parlé aussi de cet aspect, de cette force, de cette puissance. Et il y avait une force qui avait été exercée sans amour. En fait, je prends ou j'enlève votre dignité, votre liberté. Et là, alors, l'apôtre patriarche a dit, il faut que nous ayons cette force, de servir dans cette force, pour utiliser cette force dans l'amour pour notre prochain. Frères et sœurs, nous voulons aussi apprendre et utiliser la force du Saint-Esprit combinée avec l'amour. Et alors, cette sagesse, cet esprit saint, la conséquence d'utiliser la force qui ne serait pas saint, il y a des tribulations, des détresses qui sont créées. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé par le passé dans l'histoire, c'est pas la même chose que cet esprit de sagesse qui nous permet, cet esprit saint qui nous permet de voir, de prendre des décisions qui sont bonnes. Cela, nous voulons laisser l'Esprit Saint vivre en nous et qu'il y ait des conséquences à long terme, pas seulement pour les 10 ou 30 prochaines années, mais cela est écrit pour le royaume de Dieu en toute éternité. Lorsque je vais vous rencontrer, que je puisse voir dans vos yeux et là, de savoir que je vous ai traité avec amour, avec le Saint-Esprit, comme Jésus l'a fait. Et là, il n'y aura pas de ces rétrospectives négatives. Il n'y aura rien de négatif qui rentrera dans le royaume de Dieu. Je veux avoir ce comportement envers mon prochain qui va rester pour toute l'éternité. De vivre dans la paix et d'utiliser cette force qui nous est donnée aujourd'hui. Amen.
Chers frères et sœurs, j'ai beaucoup d'autres frères excellents ici présents. Je viens juste de penser, j'ai pensé au restaurant d'Afrique du Sud, la nourriture est bonne et les plats se suivent, tous sont excellents. Et c'est juste trop pour moi. Et je pense, si nous avons prêté attention à ce qui a été dit, je pense que nous avons assez à digérer. Mais vous avez préparé, et nous ne pouvons pas le manquer, le cœur des enfants, et nous souhaitons vous écouter, à vous. Thank you so much. Merci beaucoup. Grandiose. Comme je l'ai dit au début, la fête de la Pentecôte, nous souhaitons nous souvenir de la signification de la mission et du travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle l'amour de Dieu, de Jésus-Christ. Il nous enseigne combien Jésus est grand, combien son amour est grand. Et ainsi, il suscite en nous le désir de devenir comme Christ. Et il nous enseigne aussi ce qui plaît à Dieu et ce qui est contraire à sa volonté. Et comme Paul, parfois nous réalisons, nous sommes très éloignés d'être comme Jésus. Et parfois nous perdons courage et nous disons, nous n'y arriverons pas, nous n'arriverons pas à être comme Jésus, aimer comme lui, servir comme lui. Et après vient le réconfort par le Saint-Esprit qui nous dit, n'aie pas peur, tu n'as pas besoin d'être sans péché, tu ne peux pas devenir sans péché. Jésus-Christ était le seul qui n'a pas commis de péché. Tout ce qui te reste à faire est d'aimer et d'augmenter et de te développer dans l'amour de Christ. Le Saint-Esprit est notre assistant qui nous aide à prier d'une façon juste, de demander ce qui est sensé pour notre salut. Le Saint-Esprit nous dit, ne prie pas, je veux devenir parfait.
cela ne fonctionne pas. Mais le Saint-Esprit nous dit, prie afin que ton amour envers Dieu et ton prochain augmente. Et dans nos cantiques, nous avons un cantique en particulier, et j'ai pensé à ce cantique cette semaine, et il s'agit d'une merveilleuse prière inspirée par le Saint-Esprit. Grâce à Dieu, ceci existe dans beaucoup de langues, et ce sera le cantique « Je voudrais t'aimer plus, t'aimer bien plus, Seigneur ». Seigneur, je voudrais t'aimer plus. Écoute ma prière. Je fais cette demande vraiment du fond du cœur. Je voudrais plus t'aimer. Je voudrais t'aimer davantage. Mieux te servir. Quelle merveilleuse prière inspirée par le Saint-Esprit. Et je me permets de proposer de nous prendre un moment afin de laisser le Saint-Esprit nous inspirer et afin de laisser cette prière, t'aimer bien plus Seigneur, pénétrer profondément dans notre âme et dans notre cœur. Notre organiste va jouer le cantique et nous allons rester assis pour un moment et nous allons permettre à cette pensée de se développer dans notre cœur. Maintenant, nous allons nous lever et prier ensemble la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne
la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Dieu de grâce et de miséricorde, comment pouvons-nous exprimer notre gratitude? Nous te remercions pour le salut que tu proposes. Nous te remercions pour le pardon de nos péchés. Nous te remercions pour la grâce d'être des enfants de Dieu. Nous te remercions pour ta patience et ta sollicitude à notre égard. Nous te remercions pour ton amour. Cher Père Céleste, du fond du cœur, nous voulons aimer plus, nous voulons t'aimer plus, nous voulons mieux aimer notre prochain. S'il te plaît, exauce notre prière. Aide-nous d'atteindre la vraie nature de Jésus-Christ. Bénis tous les apôtres, bénis leurs aides, bénis toutes nos églises, toutes les communautés. Bénis tes enfants, laisse-les être remplis de ton esprit et laisse-les vivre la force de ton esprit et de ton amour. Aide-nous à être une source de bénédiction pour beaucoup. Aide-nous d'être constamment jusqu'à la fin. Cher Père Céleste, maintenant nous aspirons à la célébration de la Sainte Cène. Nous aspirons à vivre ta présence et à recevoir le corps et le sang de Jésus-Christ. Nous en avons besoin. Cher Père Céleste, laisse ton esprit être actif dans sa puissance afin que ce miracle peut avoir lieu. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, nous célébrons la Sainte Cène. Now the Lord's table is prepared. Maintenant, la table du Seigneur est prête. In the name of God, au nom de Dieu, the Father, le Père, the Son, le Fils and the Holy, et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Cène et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité, car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur. » Amen. Jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Body and blood of Jesus.
Beloved, for Holy Communion, we sing together hymn Durant la Sainte Cène, nous chantons le cantique 400 affiché en français sur l'écran. Le Seigneur vous invite à sa table.
Mes chers frères et sœurs, l'apôtre patriarche a mentionné les âmes de l'au-delà qui peuvent aussi recevoir les Saint-Esprits. Et il y aura les représentants qui vont prendre la Sainte Cène pour eux. Oui, chers frères et sœurs, c'est évident, c'est quelque chose de particulier lorsque nous pouvons vivre la Sainte Cène dans un cadre tel qu'aujourd'hui. Il y a des sentiments qui se passent dans nos âmes. L'Esprit Saint travaille également dans l'au-delà, comme il travaille ici-bas. La tâche est la même. Il est le consolateur, il est celui qui aide, celui qui enseigne. Bien sûr, lorsque nous pensons à ceux qui nous ont devancés, cela nous rend tristes, nous souffrons parce qu'ils nous ont quittés. L'apôtre Paul le dit, même si nous sommes absents de corps, nous sommes présents en Christ. Et c'est exactement ce qui est le cas. Ils sont absents par le corps, mais nous sommes persuadés qu'ils sont là, présents en Christ. Pour le don qu'ils ont reçu du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit, cette immortalité, et cette mortalité humaine sera remplacée par la vie. C'est la promesse du Saint-Esprit que ceux de l'au-delà, comme nous, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Cela sera remplacé par cette vie. La vie va supplanter. Nous avons aussi envie d'exprimer cette gratitude à toutes ces âmes de l'au-delà qui nous ont servi, toutes les œuvres qu'ils ont accomplies ici-bas. Parfois, je pense, ce n'est pas ce qu'ils attendent de nous. Parce que je pense que si nous pouvions les entendre, ils nous diraient, et j'en suis convaincu, remerciez le Seigneur, c'est lui qui l'a fait. Remerciez Dieu. C'est pour cela que nous voulons remercier tous ensemble Dieu, notre Seigneur et le Saint-Esprit pour cette œuvre. Nous louons et célébrons Dieu, le Père, le Saint-Esprit, pour tout ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait pour eux et tout ce qu'il a fait au travers d'eux, et que toute gloire lui revienne pour cette puissance qu'il a donnée ici et dans l'au-delà. Pour nous préparer pour cette sainte scène avec nos bien-aimés de l'au-delà, nous chantons tous ensemble en français le cantique numéro 229 dans l'allégresse. Et ensuite, un chœur d'hommes va terminer.
Not the congregation, maybe. La communauté se lève, s'il vous plaît. Chères âmes de l'au-delà, le Seigneur vous invite maintenant. Il y a des âmes que nous avons connues, d'autres que nous n'avons pas connues. Il y en a tant. Nous ne savons pas. Peut-être que nous avons même oublié certaines âmes. Mais le Seigneur les connaît toutes. Il connaît chacun de vous. Et il aime aussi ceux qui vivent sur terre. Sa volonté est toujours la même. De vous préparer et de nous préparer, nous, pour entrer dans son royaume. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de lui. Et venez, venez et recevez ce que je dépose dans les mains et dans les cœurs des apôtres. Le corps et le sang de Jésus est donné pour vous, pour votre paix en Christ, pour la joie parfaite en Christ et pour la vie éternelle, pour la communion éternelle avec Jésus dans son royaume. Amen. Thank you so much. Merci beaucoup. Concluons ce service divin par une prière. Dieu Tout-Puissant, cher Père Céleste, merci pour tes paroles, pour ta grâce, pour ta paix. Merci pour la communion, pour la Sainte Cène que nous avons pu célébrer ensemble, aussi avec nos frères et sœurs de l'au-delà. Merci pour ta bénédiction et pour ton amour. Une fois de plus, nous te demandons, accompagne ceux qui souffrent, accorde-leur ton aide. Il y a tellement de personnes qui souffrent sur cette terre de différentes façons, et tu es le seul qui peut vraiment aider et qui peut résoudre les problèmes. S'il te plaît, accorde ton aide. Et envoie ton Fils bien-aimé, accomplis ton plan de salut jusqu'à ce que la nouvelle création,
apparaissent afin que tous les hommes puissent y avoir accès. Entre-temps, cher Père Céleste, donne-nous l'aide dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Bénis les offrandes et le service de tes enfants et donne-leur tout ce dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne. Une fois de plus, bénis chaque communauté. Laisse les communautés être remplies de ta joie, la vraie joie, la joie en Christ. Donne-nous plus que nous pouvons te demander. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Prenez place, le cœur, s'il vous plaît.
Merci. Je suis désolée. Je n'ai pas les mots en anglais pour exprimer mes sentiments. C'est juste extraordinaire. Merci. Tant de fois merci, mes chers frères et sœurs. Je suis loin d'imaginer tout le travail qui a été nécessité pour préparer cette fête. Et laissez-moi remercier les apôtres de district, les adjoints, tous ceux qui ont été reliés. Merci pour tout votre travail. Merci de servir le Seigneur. C'était une vraie bénédiction. Mes chers frères et sœurs, merci pour votre fidèle soutien, pour vos prières, pour votre amour. C'est vraiment une bénédiction pour nous tous. Maintenant, il est l'heure pour moi de rentrer. Et je connais votre apôtre de district. Il dit, c'est si triste que vous devez avoir. Mais il pense, merci, Dieu merci, il s'en va. Chers frères et sœurs, nous voulons remercier l'apôtre patriarche et les apôtres de district et leurs adjoints de nous avoir bénis comme ils l'ont fait. Et le fruit de leur œuvre sera visible dans le futur. Nous sommes heureux de vous revoir du fond du cœur et nous souhaiterions que vous pourriez rester un peu plus longtemps. Mais nous vous souhaitons un retour béni et je peux parler pour nous. Nous sommes tous très heureux. L'apôtre patriarche, les apôtres de district, les adjoints vont devoir quitter la salle et nous allons chanter un cantique final tout en restant assis. Nous devons partir parce qu'il y a d'autres choses sur le programme. S'il vous plaît, restez assis. Nous chantons le cantique affiché. Thank you.